Non. Eh ? Oh, c'était un rêve très étrange. Nous interrompons notre programme d'interférence pour un flash spécial. Bikini Bottom est menacé par Patrick le Dingue. Qui peut nous sauver ? Qui ? Patrick le Dingue ? J'ai une mission pour Super Étoile de Mer ! Tout a l'air normal. Sauf que rien ne semble comme d'habitude. Sais-tu si cette tenue passe en machine ? Oh ! Ne me dis rien ! Super Hulk ? Super Crabe ! Super Étoile de Mer, j'écoute ! Heureusement, t'es là ! Les hommes de main de Patrick le Dingue sont en cavale ! Tu dois agir ! Super Étoile de Mer, relève tous les défis! Génial! Tu te souviens du Super Turbo Twist, hein? Super Turbo... Hein? Aucun souci, c'est facile. Tant mieux. Où sont ces méchants, alors? Ah, ok. Va les capturer, Super Étoile! Bonjour, Super Étoile. Une minute, je vais vous le chercher. Tu es Super Étoile? C'est vrai, Super Étoile au rapport. Je t'appelle pour te parler de ton attaque supercharge. Supercharge? Cool! J'adore ça. Ça consiste en quoi? Utilise-la pour traverser les fins murs en papier et pousser les murs. Ou éjecter vos ennemis hors de ton chemin. La pierre bat le papier. Tout comme Super Étoile de Mer. Allô? Bonjour, Super Étoile. Tu as peut-être besoin de connaître le coup fulgurant? Utilise-la pour appuyer sur des boutons ou pour attaquer tes ennemis. Teste-la là-dessus. Dernier détail. Parfois, tu devras attaquer plusieurs fois d'affilée un bouton ou un ennemi pour obtenir le résultat souhaité. Alors, Super Étoile, tu penses avoir une chance de battre Patrick le Dingue? Pourquoi il rigole? Qu'est-ce qu'il y a de drôle? Je piche pas. Tu m'expliques la blague? Génial! Thank you.
À l'appareil. Attention au gaz! Trouve un moyen de l'éteindre ou de l'éviter. C'est parti! Mieux d'abandonner, Super Étoile. C'est impossible de traverser. Encore toi. Et encore ce téléphone. Mais pourquoi? Allô, qui est à l'appareil? C'est moi, Super Étoile. Sache que tu possèdes aussi l'attaque Super Souffle. Tu peux l'utiliser contre les méchants. Et aussi pour déplacer des objets ou actionner les hélices. Oh! Et c'est là sur ces moulins avant. Regardez-le tourner! Maintenant, le monde entier tremble devant mon magnifique et parfait visage rose.
Super Étoile de mer, j'écoute. Qui est à l'appareil? C'est moi, Super Étoile. Je suis le seul à t'appeler. C'est vrai? Les affiches de Patrick le Dingue sont placardées dans toute la ville. Décolle-les grâce à ton super souffle. Les a collés au mur. Super Étoile les colle par terre. À bas cette propagande. Fini les campagnes d'affichage, Patrick le Dingue. La charge te permettra de passer à travers les murs en papier. Et pratique, non? J'adore la destruction architecturale. Gardez ta sale tête. Mais... Fini les campagnes d'affichage, Patrick le Dingue. Le timing du gaz, Super Étoile. Regardez-le tourner. Allez, gentil toutou. Imbécile à 5 pointes. Boutique de Super Étoile de mer, bonjour. Super Étoile, souffle sur les grands objets dans cette zone et ils pivoteront. Et pourquoi je ferais un truc pareil? Ces objets cachent des choses.
En les faisant pivoter, tu découvriras ce que c'est. Quel mystère émoustillant! Super Étoile était là. Oh, voilà Super Étoile. Vive Super Étoile! Il sauvera notre ville. Des grosses têtes à cinq pointes! Voyons comment tu réagis à ça! Tu as mis une raclée à mes acolytes, Super Étoile! Mais n'espère pas me vaincre pour autant! Encore toi? Oh, encore cette sonnerie! Ça doit venir de tout près! Monsieur Téléphone, je suis désolé, mais vous avez fait un faux numéro. Aucun problème. Allô? Bonjour, Super Étoile de mer. J'ai encore quelque chose à te dire. Chaque fois que tu verras une languette de ce type, tu pourras avoir accès à des marches très utiles. Et c'est... Merci pour l'info! Génial! Peut-être juste un peu. Essayez un peu de m'attraper. Un plus pour la corbeille à papier. Qu'avons-nous ici? Je t'aurai, Super Étoile! N'en doute même pas! Avant de dire quoi que ce soit, sache que j'ai un plan d'attaque. Est-ce que cela implique la supercharge? Non, j'ai pensé à une corde, une méduse et une photo de Carlo. Mais ton idée a l'air meilleure. La dernière fois que j'ai couru vers un mur, Carlo a bien rigolé. Mais ce sera différent cette fois. Un plus pour la corbeille à papier. Monsieur Téléphone,
Super Étoile, tu dois désormais apprendre à utiliser ta fonction chaud-froid. Plus tu es proche, plus tu as chaud. Et plus t'es loin, plus tu as froid. Je refroidis. J'ai chaud. Oh, chaud, chaud. Ok, Super Étoile, tu dois te débarrasser de cette créature affreuse. Carrément. Il est attaché à ce bouton. Si le coup fulgurant marche, il devrait s'enfuir. Ouais, coup fulgurant. Notre héros Hakap le sauvera-t-il? Comment espère-t-il pouvoir déjouer ses plans maléfiques? Pourquoi est-ce que je pose tant de questions? Oh non! Pauvre homme! Il est sur les rails! Et il est... Oh. Je dois arrêter ce train et l'habiller! Mais comment? Je me trompe ou vous possédez des super pouvoirs? Ah oui, bonne idée! Tes efforts font pitié, Super Étoile! Je dois arrêter ce train! Oh non! Vous ne... Je dois arrêter ce train! Alors, vous ne comptez pas me remercier? Non, pourquoi je devrais? Je suis toujours en danger. Mais... le train est immobile? Je sais, mais vous voyez bien que je suis nu! Je bouge pas sans vêtements! Ne craignez rien, citoyen nu! Moi, Super Étoile, vais vous dégoter des habits! Et votre embarras disparaîtra! Oh,
construction architecturale. Pas de temps pour le lèche-vitrine! Il faut trouver des vêtements! Ouh, je suis trop fort! Super étoile à la rescousse! Même plus pour la corbeille à papier! Et encore une victoire triomphale pour Super Étoile! La pierre bat le papier, tout comme Super Étoile de mer! Regardez-le tourner! Ne résiste au coup fulgurant de Super Étoile. Tourne, moulin à vent, tourne, tourne comme jamais. Cet homme a bon goût. Je me demande où il fait ses courses. Nulle part tant que vous ne m'aurez pas trouvé des vêtements.
Tu dois monter plus haut. Super Étoile, tire sur la languette. C'est génial! Faites-moi peur! Peut-être juste un peu. Active les moulins avant si tu souhaites progresser. Et encore une victoire triomphale pour Super Étoile! Faut que j'utilise ma tête et que je fonce avec. Bat le papier, tout comme Super Étoile de mer. Il garde ce bouton. Je dois me méfier. Boing. Aucun sous-fifre se mettra au travers de mon chemin. Ça m'irait comme un charme. Super Étoile!
fort. Je ne bougerai pas tant que je n'aurai pas tous mes vêtements. Le voisinage a besoin d'un bon nettoyage. Ces méchants lui donnent une mauvaise réputation. Ça se déchire! C'est quoi cet endroit? Pourquoi y a-t-il des photos et des statues de Patrick le Dingue partout? Pourquoi la porte s'est-elle fermée derrière moi? Tu as fini par trouver le salon de l'emploi de Patrick le Dingue? Peut-être souhaites-tu rencontrer mes nouvelles recrues? Je vous ai écrasé encore plus. Ça se déchire. Tu ne m'arrêteras pas, cornichon rose. Jamais! Imbécile à cinq pointes! Abandonne, pitoyable spécimen marin! Je mettrai fin à ta satanée méthode de recrutement! Je t'aurai, Super Étoile! N'en doute même pas! Utilise le coup fulgurant, Super Étoile, pour activer des objets! Wow! C'est génial! C'est parti! Affiche de Patrick le Dingue dans le caniveau. Ouh.
n'auront plus à regarder ta sale tête. Wouh, je suis trop fort. Je ne bougerai pas sans une tenue complète. Youhou ! Super ! Des super étoiles ! L'image de Patrick le dingue. Ça se déchire. Ces murs en papier sont fins comme du papier. Tirer sur une languette ne doit pas être bien dur. Ta sale tête. Tes amis, petite graine.
génial! Cet homme a bon goût. Je me demande où il fait ses courses. Dingue pose toujours des problèmes et rit d'une façon si bizarre. Si seulement je pouvais lui clouer le bec. Aucune idée ne me vient. J'ai trouvé. Je le fais tomber de sa statue. Bien fait pour lui. Les citoyens de cette ville n'auront plus à supporter tes lubies démoniaques. Je n'ai pas dit mon dernier mot, Super Étoile. Voici le dernier élément de la tenue de l'homme. Patrick le Dingue l'avait pendant tout ce temps. Il faut que je m'y rende. Super Étoile, te revoilà avec mes vêtements. Oh, merci beaucoup. Je suis là pour ça, mon ami. Fais plus attention à tes vêtements à l'avenir. Nous sommes heureux de te voir, Super Étoile. La ville est envahie d'hommes de main de Patrick le Dingue. Il faut que tu fasses du nettoyage en ville, et vite! Désolé, mais du travail de mer m'attend. À plus tard, quand la ville sera toute propre. Faire du nettoyage en ville, hein? J'ai besoin d'un bon détergent alors, et en grande, très grande quantité. Oh là là! Le maire va être très content de moi! Cette ville sera propre en deux temps, trois mouvements! Cette ville brillera de mille feux une fois que j'aurai fini. Plus blanc que blanc, ce détergent semble parfait. Voilà, monsieur le maire, j'ai rassemblé tout ce détergent.
nous pouvons procéder au grand nettoyage ensemble. De quoi parlez-vous, Super Étoile? Vous vous êtes déjà occupé des pantins de Patrick Lenègue. Merci pour tout. Je dois filer. Plein de choses à faire. Mais je vais faire quoi, moi, avec tout ce détergent? Peu importe. Essaie un peu de trouver mon repère secret et de me battre. Boing. Ok alors, Super Étoile, prépare-toi pour un combat? Oui, pour un combat. Mais je voulais dire que... Eh oh! Eh oh! Alors que Super Étoile d'Homer arrive au repère top secret de Patrick Ledingue, que réserve le super méchant à notre intrépide héros? Patrick Ledingue a-t-il décoré sa cachette de rideau pourpre ou cramoisi? Le mystère s'épaissit. Ah, Super Étoile! Ravi que tu aies réussi! Tu es pile à l'heure pour admirer l'achèvement de mon plan diabolique. Là-haut, on verra bientôt notre ami pointu devenir la première étoile de Bikini Bottom à aller dans l'espace. Mes amis s'attirent toujours des ennuis. Et après, qui doit venir les sauver à chaque fois? Moi! Tu devrais me passer sur le corps d'abord. Allez, monsieur l'élévateur! Qu'est-ce qu'un méchant va donc faire pour se débarrasser d'un super-héros de bourre? Voilà qui te fait. Me voilà! Maudit super-étoile! Essaye de voir si la taille te convient. Ça commence à m'énerver. Comment j'ai tamponné pour aussi petit déjouer mes attaques. Bien là. Abandonne, pitoyable spécimen marin. Reviens ici, Patrick Ledingue. Non, non! Il est hors de question que ce Protaros prenne le dessus! Prends ça! Et ça! Et ça! Super Étoile, à la rescousse! Satané grosse tête à 5 pointes! Voyons comment tu réagis à ça! J'y crois pas! Ça va me procurer un plaisir immense d'expédier ton nouvel ami dans l'espace! Mais avant... L'écrabouillage! C'est parti! Te voici face à un bon rival! En fait, te voici face à ton maître! Papier.
Calmez-vous, citoyens innocents. Vous êtes en sécurité. Super Étoile, méfie-toi de Patrick Lodeuil. Tu es le gros méchant et moi le gentil. Je suis censé gagner. Voilà, je suis débarrassé de mon ennemi juré. Je fais quoi maintenant? Je tonds la pelouse. Tout va pour le mieux. Pas de lombriques, pas de pâté de crabe. Oh. Et c'est pas comme si j'étais attaché à une stupide fusée qui voyage plus vite que la lumière. Je me demande à qui ça peut bien être. Je devrais commencer à ramasser des bidons d'essence. Je suis coincé sur cette fusée, mais si j'arrive à bouger mon pied, je peux peut-être la diriger. Un pâté de crabe. Un bon gros pâté de crabe. Comme celui-là. Mais sans cornichon et sans rayon laser. Avec quelques coussins et de jolis rideaux, ça pourrait devenir sympa ici. Maintenant, ça paraît évident à présent. Je vais me cacher là-dedans et je serai à l'abri. Par contre, il va falloir que les arrêts de parler. Oh, c'est un trou et il est tout noir. Mais qu'est-ce que c'est? Attaché à une fusée. Avec l'astéroïde imminent, tous aux abris. Si jamais quelqu'un peut nous sauver, un super-héros par exemple, un gros héros pour eux, ça serait sympa. Merci de son du pâté de crabe volant de petite étoile de mer rose que vous diffusez à votre représentant local. J'aurais peut-être dû rester sur ma petite planète paisible. Si seulement mes bras n'étaient pas si courts, je pourrais me détacher. Ah, j'ai réussi. Désolé de m'être énervé, mes petits bras courts. Ces gens ont besoin de moi. Je crois que j'ai trouvé ma vocation. Je suis le meilleur destructeur de rochers de l'espace.
j'ai trouvé ma vocation. J'ai cassé la baraque. Attirez la star. J'ai cassé la baraque. Admirez la star. Je suis meilleur destructeur de rochers de l'espace. Je crois que j'ai trouvé ma vocation. Merci de m'avoir détaché, étrange créature de l'espace. Patrick pourra-t-il sauver la station spatiale de cette terrible pluie d'astéroïdes ? Patrick est une étoile de mer qui se trouve justement dans les étoiles. Quelle incroyable coïncidence ! Rien de tel que de coller les cheveux au vent. Sauf qu'il n'y a pas de vent. Que je suis chaud. Je ne fais pas de quoi face à mes nouveaux rayons laser. Ils ont bloqué la porte. Allez, encore une fois. Je vais réessayer. Bam. Ouvre-toi. Des cylindres à détruire. Rien ne peut m'arrêter. Je vais réessayer. Je tire n'importe où et ça marche. Vole au travers des arceaux. Vole comme tu n'as jamais volé. Je n'ai jamais volé. Je vole. Je vole. Tu dois tirer sur ces cristaux pour ouvrir la porte. Mais moi, je ne vous déroge pas. Non, je ne sais même pas pourquoi on les a mis là. Je sais ce que c'est. On sort acheter du lait et on voit de jolis cristaux d'énergie. On se dit ça va faire joli. Et puis une fois à la maison, on se demande pourquoi on a acheté ça. Encore un. Pas très bien. Je vais vous tenter un secours. Encore un. Ça me revient. Vise le bouton.
look. Tu fais pas le poids face à mes nouveaux rayons laser. Désolé, mes voiles de mer doivent parfois se montrer fermes. Te voilà. Il n'y a plus que toi et moi maintenant, pâté. Une étoile de mer solitaire contre un hamburger mutant qui a la haine. Que ferait Bob l'éponge? Je sais! Arrachez ses ailes! Couvrez les aventures de Patrick contre les pâtés de crabe de l'espace! Accrochez-vous à vos déstabilisateurs quantiques! Moi, une fois, mon déstabilisateur s'est emballé. En fait, il a juste fait... Voilà ce qui arrive quand on cherche Patrick! L'étoile de l'espace! Personne ne les lit jamais. Comment ai-je pu m'endormir à un moment pareil? Ça doit être un réflexe en cas d'urgence, j'imagine. Ouais, une urgence. Il y a urgence! Oh, un bouton d'urgence! Oh, Plancton a grandi et il s'en prend à... Bob l'éponge. Oh non! Qu'est-ce que je vais faire? Réfléchis! Non, pas aujourd'hui. L'homme sirène? C'est quoi ce vacarme? J'essaie de faire la sieste! Je suis super étoile! On peut faire équipe? Allez, dis-moi oui! Tout à fait! Je suis ici pour couvrir en direct les événements qui se déroulent à Bikini Bottom! Bikini Bottom se soumettra à moi. La situation paraît extrêmement délicate sur les toits. Un combat semble opposer le plancton géant à une sorte d'étoile de mer rose en culotte courte. Oh, toi, super étoile, l'armée de plancton est invincible. Laisse-le tranquille, plancton. Et on dirait que le plancton est sur le point de lancer des voitures sur son adversaire à 5 branches. Mais d'abord, la météo. On va voir si tu peux l'éviter. J'espère que t'as la tête dure, super étoile. Tu ne fais pas le poids contre mon pouvoir atomique. Quelqu'un a déjà vu une étoile de mer devenir un super-héros? Essaye de te défrayer! Ne tombe pas dans le panneau! Oublie! Je suis plus intelligent et... grand toi! Tiens bon, super-étoile! Chaud devant!
étoile va s'écraser. Collision imminente. Tu es le super-héros le plus nul que j'ai rencontré. Je vais perdre leur vie. Désolé. Tu pensais qu'un seul comme moi suffisait. C'est ça, à l'attaque. Je vais t'écrabouiller, créature insignifiante. Ce qui monte doit forcément descendre. Évaluation de la profondeur. Il est temps de passer au plan B. Ça chauffe sur les toits. L'étoile de mer se défend comme elle peut, mais le plancton se rapproche. Nous vous retrouvons après une page de publicité. Serre-toi des paraboles pour lui renvoyer ses rayons légers, Super Étoile. Un bon héros est toujours prêt à donner la main. Très bien, Super Étoile. Tu l'auras voulu. Sois maudit, Super Étoile. Vas-y, Super Étoile. Voici l'armée. Une vraie l'armée de plancton. Un bon héros est toujours prêt à donner la main. Tu ne peux pas être plus rusé que moi. J'ai un diplôme universitaire. Notre héros pourra-t-il vaincre ce monstre? Envoie, Super Étoile. L'armée de plancton est invincible. C'est mardi, au dîner c'est ravioli. Je retiens jamais la leçon, n'est-ce pas? Quelle courageuse étoile de mer, en tout cas! Tremble, Super Étoile! Super Étoile. Il est peut-être temps pour moi de passer au plan B. De... une émission en direct du fond de l'océan. Ce plancton a vraiment l'air en colère. Et il va sûrement se passer des choses excitantes ici. C'est la fin de cette émission du journal de Bikini Bottom. Salut, plancton! Oh non! Plancton! Oriente les projecteurs vers le ciel pour appeler les renforts. Oh!
ensemble, Super Étoile. Une alerte! On doit y aller! Un seul hélicoptère pour me combattre. Ils s'en foutent! T'as qu'à essayer, stupide créature à cinq pas! Tu es le super-héros le plus nul que j'ai rencontré! Et pourtant, je connais Bernard l'Ermite! On a vu les projecteurs! Ah oui, je vois! Tout Bikini Bottom se soumettra à moi! J'en aurai fini avec toi. Bikini Bottom m'appartiendra. En route pour la victoire. Mais pas Sada. Laisse-moi tranquille, vermine. Bonjour et bienvenue à l'édition en direct d'un rencontre mondiale au sommet. Le titre de ce soir, lorsque Plankton est devenu grand. Courage, Super Étoile! Tu as besoin du pouvoir de l'éponge! Très bien, Super Étoile! Tu l'auras voulu! Commande les grues en faisant un coup fulgurant sur les boutons, Super Étoile! Super Étoile s'en sort très bien! Prépare-toi à souffrir, Super Étoile! Génial, Super Étoile! Quelle malchance! Heureusement, j'ai une main de fer! Super Étoile!
Super Étoile, tu peux aller là-bas pour commander les grues. Très bien, Super Étoile. Tu l'auras voulu. C'est ça, continue, continue. Je crois que j'avais quelque chose à faire. Ah oui, je m'en souviens. Mais... Nous venons d'apprendre la nouvelle. La courageuse étoile de mer est en train de mener l'assaut final contre le colossal. Vous permettez? On essaie de se battre ici! Désolé, nous allons essayer d'être plus discrets. Content que tu aies réussi, Super Étoile! Voici le rayon rétrécisseur! Le problème, c'est que... il n'arrête pas d'apparaître et de disparaître dans ses trous! C'est ennuyeux! Quand tu l'auras attrapé, charge-le et tire! J'espère qu'il va avoir pu t'aider. As-tu y aller? L'heure du dîner a sonné. Ce soir, c'est ravioli! Tu peux le faire, Super Étoile! Allez, je me suis caché, Jayaï! Ouais. Merci d'avoir essayé, Patrick, mon ami. Mais je crois qu'on est au paradis. Pas le paradis, ma chère amie, bon Dieu. Mais une manifestation nocturne de votre inconscient. Alors, vous me dites que vous avez fait des rêves, hein? Des rêves très étranges et très bizarres. Oui, c'est exactement ça. Puis-je vous demander, qu'avez-vous mangé avant de dormir, hein? Un pâté de crabe, je crois. J'adore les pâtés de crabe. Moi aussi. Avant de m'endormir, j'ai mangé une miette d'un de ces succulents pâtés de crabe. Bien alors, les circonstances sont assez claires. La composition chimique spécifique de ces pâtés de crabe a dû affecter le biorhythme de votre inconscient et modifier vos rêves. Cet effet n'est pas rare avec le pâté de crabe.
surtout tard la nuit. Comment vous savez tout ça sur les pâtés de crabe, docteur? Eh bien, ça ne se voit pas. Se voit le pâté de crabe. Si on veut se réveiller un jour de ce cauchemar vivant, je suggère d'essayer d'attraper ce pâté. Il a raison. Tout le monde après le pâté de crabe. Attendez une minute. Ce type n'était pas un docteur du tout. Oh ! Mais c'était le pâté de crabe ! Ah ! Oui ! Gary, où tu vas? Où est-elle? Je n'arrive pas à croire que j'ai perdu ma seule miette de pâté de crabe! Ces années de complot et de manigance, tout ça pour en arriver là! Tiens, la voilà. Te voilà, Gary! Je nous ai rapporté une surprise! Du pâté de crabe! Tu devrais pas en manger avant de dormir, tu vas faire des cauchemars.